Salut, salut et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Donc là, il doit être 6h, un truc comme ça. Comme vous pouvez le voir, c'est le boxon. J'ai toutes mes palettes qui sont sur mon bureau, donc il faut d'abord que je range mes palettes avant qu'on puisse ouvrir les calendriers. Puisque j'ai remis mon étagère là, qui était donc en bas, puisque je vais en avoir une nouvelle demain, comme cadeau de Noël. Je ne sais pas laquelle, mais je vais en avoir une demain. Et pour mettre dans mon salon. Donc j'ai pu remettre celle-ci ici. Mais maintenant, il faut que je range toutes mes palettes. Et c'est là qu'on se dit, merde, il y en a beaucoup. Surtout quand il faut les ranger. Donc ben moi je fais ça, je vais vous le mettre en musique hein, parce que c'est pas très intéressant. Et ensuite on se fait les petits calendriers de l'avant. Il nous reste plus grand chose. Hein. Thank you.
Et voilà. Ça a été vite. C'est beaucoup mieux, hein. Alors, on va pouvoir passer au calendrier d'avant, comme ça, après, je peux aller à la douche. Oui, oui, à cette heure-ci. On est le on est le 23, déjà. Hein, oui, c'est ça. Demain, c'est les dernières cases, sauf pour le Pays Louise, qui en a 25. J'ai déjà préparé ma tenue pour demain. Attendez, je vais vous montrer un peu, parce que je suis un peu loin. Et voilà, oh, ça tronche. Alors aujourd'hui pour Chérie, c'est le plantation Sting Fancy Smoky Formula Spirit Drink. Voilà, voilà. Et demain, on fait déjà les dernières classes, mais on fait Noël. Hop là, on peut pas tout avoir dans la vie. Alors, chez Fimo, 23, 23, 23, ici, donc à mon avis c'est un point, comme ça, moi, une fois que j'ai fini d'ouvrir tous les calendriers, je vais pouvoir attaquer les crash tests et le bilan. Bon, pour ceux qui suivent mes blogs, je crois que vous avez compris, c'est un pain. Hier, on a trouvé nos dindes pour Nouvel An, mais on a dû les congeler parce que on n'en trouvait pas qui dépassaient jusqu'à après Noël, en fait. Donc, on a dû les congeler. Oh, très belle couleur. Je crois que je ne l'ai jamais eu, celle-là. 31. C'est un bleu canard un peu turquoise, comme ça. Voilà, bleu canard, quoi. Très jolie couleur. Chez Axoun. Et ici. C'est une petite fraisinette avec des strass. Ils font hyper cheap, hein, leurs strass, donc bon, pareil, ça ira dans les lots Vinted parce qu'ils sont vraiment pas beaux, hein. J'en ai des beaucoup plus beaux que ça. Et voilà. C'est un boxon sans nom. J'ai emballé tous les cadeaux, donc j'ai plus que les cadeaux pour le 6 janvier, l'anniversaire de Sam et le Noël avec les filles. Donc il ne me reste plus que les cadeaux des filles, bah de DJ aussi, et de leurs hommes, et du petit, tout ça, mais c'est un foutoir sans nom ici. Il faudra vraiment que je range l'année prochaine. C'est une longue case ici. Ah oh, mon pouce. Et on a un flacon, une douche, une crème de douche avec un petit renard. Très joli. Mandel und Haselnuss. Donc noisette et mandel, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mandel. Oh! Amande peut-être? Oh, ça sent bon! Manon, je suis pas sûre qu'elle aime par contre, elle, parce que c'est fort sucré et elle aime pas ce qui est sucré. Alors, chez Clotgood, 23, c'est un petit, c'est une base à paupières, je vais en avoir plein d'entamés du coup, j'arrive pas à ouvrir, il se décolle pas bien, Chris Killer That Bass 15 ml, et c'est une couleur basique, vraiment très pélouise le bazar. Voilà, à tester du coup. Je vais avoir trop de bases entamées, moi. J'aime pas ça. Chez Glam Shop, 3, c'est une petite case, mais un peu plus allongée, enfin, un peu plus grande que celle pour les fards à paupières. Et on a
Ah oui, c'est un fard à paupières liquide. Ouais. Rose gold, comme ça. C'est joli, mais moi, c'est absolument pas le genre de produit que j'utilise. Donc ça sera d'office pour vous. Et chez Péloui, c'est une longue case comme ça. Avec mon pouce, j'arrive plus à rien faire tellement j'ai mal. C'est un tube et on a body glow, éclat pour tout le corps. Ouais, bah, en gros, c'est un lait hydratant lumineux, je suppose. Scellé. Je pense qu'on fera un petit crash test dans un vlog de tous les soins. Voilà, pour pas, je vais pas faire le crash test des soins et du make-up. Hein, on fera le make-up en crash test make-up, mais les soins on fera en vlog. Donc voilà, je suis mitigée sur les derniers cadeaux là, les deux derniers. Maintenant, si ça hydrate, ouais. Pourquoi pas, ça fait toujours une body lotion en plus. Hier, je suis vraiment déçue par les teintes en fait. La première est canon, hein. La deuxième à la limite, mais les deux autres, je sais que je les utiliserai pas. Mais la première est tellement belle, mais j'aurais aimé qu'ils mettent un peu de rosé avec. Voilà, ça aurait été bien d'avoir un doré, un blanc, un rose, et je sais pas, un bronze ou un coloré carrément, un bleu ou. Je sais pas, mais un rose, je ne comprends pas qu'il n'ait pas accentué plus sur le rose vu que c'est les couleurs du calendrier, des packagings. C'est un peu dommage. Le cadeau me plaît beaucoup, celui d'hier. C'est les teintes qui me déçoivent, hormis la première. Celui-ci, voilà, je suis mitigée, il faut que je teste pour savoir si j'aime ou pas, tout simplement. On verra ce que c'est exactement. Voilà. Ben écoutez. Je vais déjà vous laisser là pour aujourd'hui. Mardi 26, il faut que j'enlève mon sapin pour pouvoir mettre ma déco de Nouvel An. Parce qu'il faut que j'enlève tant que chérie est là pour qu'il puisse me redescendre les cartons et tout ça. Et je vais pouvoir installer déjà ma déco de Nouvel An. Tant qu'à faire, comme ça je reste pas sans déco. Voilà. Alors oui, hier j'ai acheté, non avant-hier, quand on a été aux courses chez Auchan, j'ai acheté du fixe-dents pour mes dentiers. Parce que Polydent, on m'avait conseillé Polydent parce que c'était pas cher, mais c'est la même chose que Corega ici en Belgique en fait. J'ai vu, c'est exactement les mêmes packaging, c'est juste le nom qui change et le prix. Parce que chez nous c'est 12 balles, Auchan c'est 5 balles, oui. Le fixe-dent est au même prix ici et j'ai pris la fixation extra forte parce que le Corega tient pas toute la journée. Si j'en mets le matin, je sais pas manger le soir sans que le dentier du bas il saute. Celui du haut il tient, hein, mais celui du bas il saute forcément. C'est une prothèse. Comment? J'ai pas les inserts, enfin, les pivots pour faire tenir parce que c'est un autre budget, je vous rappelle. Et du coup, j'ai testé hier le fixe-dent et j'ai dit à chérie, ah là, ça tient. J'en ai mis un petit peu sur Studio. En fait, j'en mets sur mon palais que j'étale au doigt pour éviter que ma salive et les liquides, tout ça, passent entre mon vrai palais et le faux palais parce que c'est extrêmement chiant. Alors, je suis là pour essayer d'aspirer le liquide qu'il y a à l'intérieur. Et oh, j'ai mis deux chaînes et ça s'en mêle. Il faut que j'en enlève une. Et hier soir, j'ai pas réussi à enlever Studio pour le rincer. Alors, on est au coucher. Le rincer et faire mon bain de bouche et tout. Tellement il tenait bien, donc j'ai pas insisté. Hein, mais il bouge quand même un peu, mais c'est normal, j'ai encore les gencives qui travaillent. Là, il faudra vraiment que je pense demain à le recoller avant de partir pour être sûr qu'il tienne et que je puisse manger toute la soirée sans avoir le dentier qui se balade dans la bouche. Donc je le collerai le matin avec du Corega pour qu'il tienne pas trop et je pourrai l'enlever après. Parce que le Corega, vous savez l'enlever comme ça, hein, pas de souci. Et je pourrais l'enlever et le nettoyer et remettre du fixe-dent pour le repas du soir, quoi. Voilà. Mais là, j'ai remis de la colle Corega hier soir. Parce que
Si je ne le colle pas avant d'aller me coucher, il bouge et du coup ça m'énerve, donc ça m'empêche de dormir parce que je suis toujours en train de le remettre en place. Donc je mets deux toutes petites pointes de Corega ici, vu qu'il ne tient pas beaucoup. Mais là sur la nuit, ben, enfin sur la nuit, j'ai été me coucher à 1h30 et je me suis réveillée à 4h30. Donc ouais, et ben ça tient déjà plus. Donc vous voyez. Mais bon, le fixe dedans, ça tient. Donc sur ce, moi j'ai déjà préparé ma tenue pour demain, donc c'est la robe avec les chevrons. Je vous montrerai le rendu demain une fois que je serai apprêtée. On fera les calendriers le matin. Voilà, tout simplement. Et c'est tout. Voilà, je vais aller boire un café et je vais aller à la douche. Comme ça c'est déjà fait. Monter ma journée de vlog, comme ça c'est déjà fait. Et puis continuer à m'avancer un petit peu pour la semaine prochaine. J'ai mon calendrier Pélouise ici, la boîte du calendrier qui traîne là par terre. J'ai pas de place pour le ranger, je sais pas où je vais le mettre. Et il prend de la place, hein. Mais il est tellement beau, je vais pas le jeter. Les autres, oui, poubelle, mais. Enfin, celui du Glam Shop, c'est toutes des petites cases différentes. Hein, comme ça, j'avais gardé celui de l'année dernière et je les utilise pour mon petit jeu de nouvel an. Donc ça, je vous montrerai, je vous présenterai tout ça dans le vlog. Ça sera après nouvel an, malheureusement, puisque. Parce que je vais pas savoir filmer jusqu'au 31 et vous le poster, ça servira à rien. Il n'y aura personne qui le verra, donc. À moins que je poste le lundi 1er, mais je ne sais pas. Je vais voir comment je jongle. Ouais, à la limite, je peux faire ça. Comme ça, je filme le 31 aussi, les préparatifs et tout ça. Et je vous poste le lundi 1er, plus tôt que d'habitude. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Bref, donc sur ce, on suit toujours. Alors, il est 14h30. Je vous reprends rapido pour vous montrer. On a été chercher du pollet et en même temps, on a trouvé. Il faut vraiment que je lisse mes cheveux. Je suis mouteuse. On en a profité pour regarder les décos et on a été chez Extra aussi. Mais au Hugo, là, le magasin de bricolage où chérie va chercher le pollet, il y a toujours moins 50% sur les décos de Noël. En fin d'année et en janvier, et 30% sur les luminaires. Donc du coup j'en ai profité pour acheter pour ma déco de nouvel an. J'ai repris deux guirlandes comme ça, jaunes, light warm white, de 400 LED, elles font 8 mètres. Donc j'en ai pris deux et en plus il y a eu une erreur à la caisse. La stagiaire, l'étudiante s'est trompée. Voilà, je lui ai pas dit. En fait, elle n'avait pas décompté les 30%, donc j'ai été lui dire. Et après, elle nous a remboursé en fait le prix qu'on aurait dû payer. Donc on a payé que les 10 euros les deux guirlandes. Le prix de la réduction des 30%. Voilà. Donc je ne vais pas me plaindre. J'ai également pris ceci. Voilà, ça ira dans ma déco quotidienne, hein, parce que j'adore. C'est un photophore en verre comme ça avec un petit ruban blanc et un cerf argenté. Il est trop beau. C'était le seul qu'il avait en blanc, les autres étaient en doré. Le truc était doré et gris je crois ici. Mais il est trop beau. Voilà, il est super bien fait. J'ai pas le ticket du extra, mais il était 3 euros je crois. Ou 6 euros peut-être. Non, non, c'était au niveau aussi, attendez. Ah mais j'ai plus le ticket. Ouais, il était 6 euros moins 50%, donc 3 euros. Je crois que c'est tout ce qu'on a pris là-bas. C'est cool, ça. Et au extra, donc j'ai plus le ticket, j'ai pas le ticket, mais on a repris des maniques. J'étais à 6 euros. Parce que les autres que j'ai achetés chez Temu, je vous les conseille pas du tout. Donc se brûle les pattes. J'ai acheté
un sous-assiette comme ça, à paillettes noires pour mettre sur ma table en attendant que ce soit le jour de Nouvel An. Deux guirlandes comme ça pour mettre à ma poutre ici et à l'arche de la cuisine. Voilà, avec les loupiottes, ça fera très joli, plus les petites décos que j'ai fait moi-même. Donc là, il y en a deux. Ah si, il y a le ticket dedans. Donc les maniques. Ah, j'ai mis un chatouille. Les guirlandes, elles étaient à 1,99€. Les gants étaient à 5,49€. Le set de table à 2,49€ et 2,99€ les serviettes. Donc comme on a encore deux occasions, puisque le 6 janvier on fait l'anniversaire de Sam et que le 11 février c'est mon anniversaire à moi, j'ai pris des serviettes Bobby. Voilà, Sam aura des serviettes Bambi un peu Noël pour son anniversaire. Et moi, j'aurai celle-là. Voilà. Trop belle. Et il y a 20 serviettes à chaque fois. Donc, pour le prix, elles sont vraiment très, 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 très belles. Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer rapidement ça. Je vais ranger en attendant que je les installe, que j'installe la déco mardi. Et voilà, donc maintenant au sud du jour. Alors, il est 6h et c'est le jour du réveillon de Noël. Donc j'ai plein de choses à faire, bien évidemment. Voilà. Donc on va ouvrir les calendriers. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer mon make-up et ma tenue. Alors make-up, ça sera très soft. Je pense que je vais même pas faire mon teint. Je vais juste faire mes yeux et mes sourcils, bien évidemment. Obligé. Et... je vais utiliser la Danessa Merrick de toute façon, la 5. Et je reprendrai un petit peu aussi chez ma belle-sœur pour vous montrer le petit parce qu'il adore être sur les vlogs. Donc voilà, comme ça il vous souhaitera un joyeux Noël et probablement qu'il vous montrera ses cadeaux. Donc on fera tout ça ce soir. Là ce matin on va juste ouvrir les calendriers. Et après je vais lisser mes cheveux, faire mes soins déjà. Hier soir, j'ai fait un masque, j'ai rasé mon petit duvet et j'ai fait un masque. J'ai collé mes ongles, alors je viens de recoller un. Je l'ai perdu pendant la nuit celui-ci, je le cherchais, je ne le trouvais pas et en fait il était collé dans les cheveux. Donc j'ai retrouvé un me coiffant et là il faut que je recolle un strass. Donc je les ai collés hier soir, j'ai déjà recollé 3 ou 4 strass et un ongle. Et on n'est pas encore le soir du réveillon, enfin c'est pas encore le réveillon quoi. Alors on va éviter de les perdre sur la journée. Et on va ouvrir la case 25 du calendrier Pélouise, comme ça c'est fait et je peux ranger, préparer le bilan et tout ça. Voilà. Parce que demain je ne suis pas sûre d'être en forme avant le soir de Noël. Pour. Et demain je vous montrerai la déco de ma belle-sœur chez mon frère. C'est trop beau. Aïe. Alors c'est le Ron... Zacapa, Evenly Casque Collection, Solera, 23 ans d'âge, El Halma, The Soul Casque Rome. C'est très long pour un nom de Rome. Mais voilà. Alors combien de temps vont tenir les mignonnettes? Je pense que un nouvel an. Mon frère adore le rhum. Donc je pense que ça tiendra pas très longtemps. Et voilà un calendrier de vie. Comme ça, chérie va pouvoir me les jeter aussi. Parce que c'est toujours lui qui dépiote les bazars. Alors, le 24 chez Fimo, c'est une grande case ici. C'est très léger. Hein, donc, je m'attends pas à avoir 5 pains à l'intérieur. Et on a une... un pochoir avec 3 motifs. Voilà, sympa. Maintenant, est-ce que c'est vraiment utile? Pas sûr. Voilà, pour un 24, c'est de la chier. Chez Axoun, le 24, oh, on est déjà le 24 déjà. C'est ici, une plus grande case également.
Et on a le gel douche à pailleté Vanilla Twist dans un flacon étoile trop beau. Ça, j'aime beaucoup. Après, c'est le genre de packaging très chiant à utiliser. Mais voilà, c'est un joli format, 105 ml. C'est très bien. Très bonne dernière case. Chez Balea, ici. Donc, c'est une plus petite case hein, chez eux. Je triture mes calendriers, de toute façon c'est la fin donc on s'en fout. J'ai pas envie de faire sauter mes ongles surtout. Parce que je les ai collés avec. Voilà. Là la 24e case est un peu nulle. Mais. On va parce qu'il est collé sur la case en dessous. C'est un masque de nuit. Voilà. On n'en a pas eu chez Action cette année, mais on en a acheté Balea. Maintenant, il est très beau. Voilà. Donc, celui-là, je pense que je vais le garder. Les autres, je ne garde pas parce que c'est à chaque fois marqué c'est pas exclusif ou des trucs comme ça. Là, je pense que je vais le garder parce qu'il est très beau. Et quand j'ai mal la tête et tout ça, ça peut être bien pratique aussi. Donc, mitigé, mais pour un 24, c'est un peu moyen. Alors, chez Gloss Gods, voilà, c'est la deuxième palette. Moi, je trouve que c'est laquelle, puisque j'ai vu le unboxing de Manon. Et j'aurais aimé, moi, avoir la Rainbow dedans. Il y a plein de palettes qui me font l'œil chez eux. Mais c'est pas celle-là, mais ma foi, c'est la Lavender Skies. Remixed. Et bon, elle est belle. Elle est super belle, elle est super belle. Alors, il y a deux teintes dedans qui me font de l'œil en lumineux, celle-ci et celle-ci. Et celle-ci, elle a l'air assez. C'est pas un lavande, c'est pas un bleu, c'est pas un mauve. Il est assez. Il est assez intéressant. Bon, le petit doré là, on se demande un peu ce qu'il fait. Le pêche aussi. Les autres teintes sont vraiment bien coordonnées. Le pêche, à la limite, ça peut aller, mais le doré, voilà, moi, j'aurais plutôt mis un rose très pâle, lumineux, pour mettre en coin interne, ou un blanc. Maintenant, il a l'air très beau. Les deux palettes, ce qu'on fera, on fera un swatch and make-up, puisqu'il y a d'autres trucs à tester chez Gloss Gods dans le calendrier. Donc, je testerai, je ferai des swatch and make-up pour les deux palettes. Et voilà. Le 24 chez Glam Shop. Donc ça, c'est une plus grosse case qui est assez lourde. Ça doit être un soin. Ouais, Glam Skin. Et c'est un sérum à l'acide hyaluronique. Attendez, je jette ça parce que ça va me pomper, il est très grand. Ça c'est très bien. On va recacher le flacon. Après ça reste très soft hein, chez eux. Ouais, ouais. Tout ce qui est plus basique, mais très bien. Format full size hein, de 30 ml bien évidemment. C'est que des full size chez Glam Shop. Je crois que vous connaissez mon amour pour ce calendrier. Et on va finir avec les deux Pilouis. Donc d'abord le 24, c'est celui qui était dans le petit train. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. La dernière, je sais. Puisqu'ils ont spoilé le dernier truc. Nice and Iced. Duo de blush. Ça me parle. En espérant qu'il y ait enfin du rosé. De petits cœurs, ça fait un peu beaucoup de blush par contre, parce qu'on a quand même deux palettes de huit blush, un blush crème et maintenant un duo. Maintenant il y a du rose, j'ai vu, il est sublime. Donc vous l'ouvrez ici, j'ai vu, il y a un rose, très beau rose d'ailleurs. C'est en crème, bordel de cul. Il y a peut-être un, ah, et un poudreux, il y a un crémeux et un poudreux. Il est magnifique.
Bon, après, ce principe de crémeux poudreux, ça me dérange moins, puisque je mets souvent une sous-couche de blush crémeux en dessous de mon fond de teint poudre et de ma poudre. Donc, ça me dérange un peu moins. Maintenant, j'aurais préféré avoir deux poudreux, un rosé et un autre rosé, par exemple. On aurait eu cette teinte-là en rosé poudreux, voilà, un peu corail, comme ça, ça m'aurait convenu très bien. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette case 24. Beaucoup. Très joli packaging. Et la dernière, c'est donc la fameuse palette qu'on nous a spoilée. Très, très grande palette. C'est vraiment dommage qu'ils aient spoilé, ma foi, mais bon. La gigantesque palette. Alors, c'est que du nude. C'est la Taste. Mais, c'est comme je disais à Manon, c'est du nude, mais je n'ai plus énormément de palettes de nude. Je crois que j'en ai plus du tout, à part la New Nude de Huda Beauty. Exclusivement nude, la plus nude que j'ai, en dehors de la New Nude, c'est la Antidote. Et encore, c'est pas vraiment du vrai nude, quoi. Vous voyez, c'est pas dans les teintes marronnées. Enfin, il y a du marron. Mais elle est gigantesque. Je la pensais pas si grosse. Combien est-ce qu'il y a de fards dedans? Est-ce qu'ils disent? Attendez. Est-ce qu'ils disent? Alors, elle est cruelty-free. Ça, c'est très bien. 50 fards à l'intérieur. 50 fards de 1,2 g quand même. Et là, j'ai bien rentabilisé pour le prix du calendrier, parce que je pense que ce genre de palette à l'achat doit coûter un bras et un rein. Donc voilà, même packaging que la boîte. Les packagings sont vraiment... Oh, bah finalement, elle est belle. Oh, elle est orangée. Alors, il n'y a pas énormément de lumineux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lumineux sur 50 phares. Mais c'est quand même un cadeau de dingue. Vraiment de dingue. Celui-ci, il a l'air sublime. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Forcément, celui-là, j'aime. Bon, celui-ci est un peu plus doré. Donc, on va dire plutôt les deux-là. Celui-là est très, très, très doré. Mais il y a des teintes qui me parlent. Les orangés, là, le sable. Non, celui-ci est plus sable. Je ne saurais pas dire décrire. Il y a un beige. Il n'y a pas de noir. Il y a un marron très, 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 très foncé. Donc, ça passe, ça compense. Il y a du nude chaud, du marron chaud. Il y a du froid. Peu de froid, mais il y en a quand même. Écoutez, elle est super... Elle sent rien de particulier. C'est dommage. Elle aurait pu sentir le pain d'épices pour aller vraiment avec le thème. Après, bon, c'est optionnel, c'est facultatif, c'est gadget, hein, les trucs. Mais oh, bah écoutez. J'ai hâte de tester ça. Je pense que il y a tellement de choses. Je vais faire deux crash tests de la marque Pélouise. Je ne ferai pas un swatch and make-up, hein, parce que j'ai largement pas envie de swatcher 50 nudes. Déjà 50 phares, mais alors en plus rien que des nudes. Maintenant, suivant ce que j'aurais testé dans les deux crash tests, je ferai peut-être une vidéo DJ où on en swatchera quelques-uns et on testera peut-être une palette 3 make-up. Voilà, nude avec des touches de couleur, avec les accessoires, les fioritures. Je ne sais pas. Je vais réfléchir à ça, je verrai mieux une fois que j'aurai fait le bilan pour me souvenir de tout ce qu'il y a dedans. Mais alors, les cadeaux 24-25 chez Pélouise, je kiffe. Le cadeau 24 de Gloss God aussi, celui de Gloss God aussi, de Glam Shop aussi. Celui de Action, j'adore. Celui-ci, je suis mitigée parce que je trouve que pour un 24, mettre un goodies, c'est un peu... voilà quoi. Et celui-ci, bon, pas grand intérêt. Mais, vous verrez dans le bilan, je crois que vous avez compris... ce que je pense de mes calendriers, mais vous verrez dans le bilan, on va vraiment tout regrouper, le prix des calendriers, de la case, le nombre de cases, le nombre d'objets, le nombre de goodies et tout ça. Et on va vraiment tout regrouper ensemble pour avoir plus facile de se rendre compte.
Même pour moi, hein, parce que là, avec 6 calendriers, 7 si on compte le Rhum, que je ne mettrai pas dans la vidéo, hein, crashes, bilan, mais moi, ouais. Globalement, très satisfaite, sauf le Fimo. Franchement, j'aurais pas acheté, c'était pas très grave, quoi. Voilà, bon. Et ben moi, je vous reprends plus tard, je vais faire ce que j'ai à faire. J'aimerais me réchauffer d'abord parce que je suis gelée. Je vais reboire un café parce que j'ai bu qu'un demi-litron, là, pour l'instant. Ranger tout ça. Et voilà. Oh, j'ai hâte de tester Pélouise. J'ai vraiment hâte. Glamshop, je connais déjà la qualité de la plupart de leurs produits. Donc, parce que j'avais eu le calendrier l'année dernière et que j'avais fait un full face. Gloss Gods, je connais que leur palette, donc j'ai hâte de tester le reste. Mais alors, Pélouise et Glamshop, j'ai vraiment très 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 envie de tester. Voilà. Bon, allez, sur ce, moi je vous reprends quand je serai prête. Donc ça sera ce soir. On doit être pour 6h30, 7h chez ma belle-sœur. Donc on a à peu près une demi-heure de route pour y aller. Je vous montrerai ma tenue et ensuite... Je reprendrai chez elle pour vous montrer un peu le petit, les cadeaux, tout ça. Enfin, c'est cadeau à lui parce qu'il n'y a que le petit qui aime être sur les vlogs. Ma belle famille n'aime pas. Donc voilà. Bref. Allez, sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous montre rapido mon make-up et ma tenue. Alors il est 6h, on va bientôt partir. Le temps d'aller faire un petit pipi. Alors make-up, j'ai même pas fait mon teint. J'ai pas mis mon gloss. Attendez. Voilà, make-up, j'ai fait un mélange de fard avec la Nessa Mirek, chérie vous salue. Voilà, j'ai mis 3-4 fards que j'ai mélangés, j'ai juste fait mon creux, bah voilà, make-up assez classique, j'ai même pas fait mes sourcils, tant pis. Donc pour avoir, parce que j'ai un peu peur d'avoir froid chez ma belle-sœur, donc j'ai mis un pull en laine, et voilà, pour être sûre, j'ai mis, alors... Ma jupe noire en cours, un leggings. Et mes bottines. Voilà. Je mettrai ma robe du coup à chevron, je la mettrai demain. Là j'avais trop peur d'avoir froid. C'est qui a pété encore? Je sais pas. C'est toi. Pété. Tu viens dire bon joyeux Noël aux gens? Happy New Year. Happy New Year. Ça me dit Happy New Year. On a mis l'enclos pour mettre Kiki ici dans le salon. Comme ça, parce que si jamais ils se battent avec Riley, on préfère éviter. Puisqu'on n'est pas là pour intervenir. Et je vais mettre mes vidéos en fond, comme ça ils ont le son de ma voix. Et en plus, ça me fait gagner des sous, puisque les pubs vont défiler toutes seules. Voilà. Mais écoutez, je vous reprends chez ma belle-sœur pour vous montrer le petit. Toujours la même qu'on attend. Il adore être sur les vlogs. Et oui, j'ai encore à l'épicier, alors ne me faites pas chier. Et voilà. Donc je vous reprends, mais ce sera au téléphone une fois chez ma belle-sœur. C'est bien. Tu vas en faire. Ça évite de voir. Oui. Mais moi, je pense que c'est encore à moi. Ah oui.
Oui, moi, c'est encore à lui, hein. Eh, hey, sale tricheur. Je trouve que tu devrais faire qu'un rebond. Si ça ferait deux rebonds, ça ne compterait pas. Et normalement, c'est qu'un rebond. Mais il me semble, hein. Oui, et ça saute pas. Ouais, normalement, c'est qu'un rebond. Il me semble. Que j'avais toc, toc, toc. Et... Oui, mais il semblait que c'était qu'un rebond. Bah oui. Je sais pas, il faut lire sur le truc. C'est un rebond ou direct, hein. Moi, j'ai jamais... C'est un rebond ou direct, oui. Ouais, j'ai jamais joué au beer pong, hein. C'est un rebond ou direct. Déjà que normalement, on joue avec du... De la bière et pas de du vin. De la bière, oui. Normalement, c'est un rebond. C'est marqué que... Mais normalement, c'est qu'un rebond. Ouais, c'est à moi. Là, ça lui donne. Ah non, c'est à moi. Ah oui, t'as pas l'ancien. Ah, c'est du pépure, hein. Ouais. Non, ça, c'est du normal. Non, c'est normal. Ouais, c'est... Elle est bien pleine, elle t'a pas loupé. Hein. J'ai choisi pour toi. C'est d'un coup, igloo. Allez, yeah. Parce que j'ai soif, alors ça faisait mal. C'est pas fini. Léon, allez. Tu peux me redonner ma balle. Léon. Tu vas être dans la voiture. Arrête-toi. Allez, troisième. C'est sa première quitte, en fait. Un petit troisième. Non, t'inquiète, j'en ai déjà une. Oh! Il va te jouer les fers en fait. Léonce. En fait, c'était un échauffement pour nous. Mais allez. T'arrêtes là, c'est bon. Non. Un petit troisième. Oh, oh. Allez, c'est en dessous, tu vois. Arrive devant toi. Mais qui colle, j'ai mal au vide. Oh, que c'est pas le vin. Tu vas pisser 15 litres là. Ah, voilà. Mais... Je touche le sol ou il n'y a plus rien. Alors, si on va dire, Allez, deux d'un coup. Attends, on va attendre qu'il relance. Hein. Un petit 3. Oh, c'est Cédric, vous avez peut-être un. Deux d'un coup. Une personne qui allez, n'apprends pas si tu n'y arrives pas. T'as deux verres d'un coup. En plus, là, c'est. T'as deux verres, donc boire deux coups. Ouais. Arrête-toi et puis rebois. J'en ai mis 7 depuis le début. Attends, il faut qu'il respire. Elle ne crache pas, elle ne fait pas comme Sandra, elle gaspille pas la bière. Hein. C'est sacrilège. Bravo. Bravo. Bah, je crois que c'est le cas. Hein. Il y a l'ambulance qui passe. Pourquoi t'es. T'es tout rouge. Maintenant, moi, visé déjà. Avant, c'était. Georges, dis bonjour les gens, t'es tout rouge. Au revoir. Bon, alors, make-up et tenue d'aujourd'hui. Make-up, j'ai fait la même chose qu'hier, sauf que j'ai mis une base noire en dessous et un autre fard de la Danée Samiri. Voilà. Faut juste que je remette mon gloss encore. Coiffure. Je me casse pas trop la nénette. Et pour la tenue, c'est Chérie qui a voulu que je mette celle-ci. Voilà. Avec leggings pour pas avoir froid. Et mes boots à talons qui vont très bien avec. D'ailleurs, j'ai un jouet du chien collé au pied. Moi comme hier. Et voilà. Et Sam, il a mis comme hier. Je vous ai pas pris plus tôt parce que j'ai beaucoup dormi. Moi aussi. Georges aussi. Hier, on a passé une super soirée, on a bien rigolé. Je vous ai mis quelques petits passages. Georges a joué au beer pong. Pour mon père. Lui qui boit pas beaucoup. Ils ont fait un côté sans alcool et un côté avec alcool. Et comme Chérie voulait rester ou sans alcool parce qu'il devait reprendre le volant, il a forcé Sam à se mettre du côté alcool. Forcé, bon, j'étais d'accord. Mais... Le premier c'était au vin, il a eu que un verre, lui qui aime pas le vin, ça va. Mais après c'était de la bière et son père lui a quand même fait boire 7 verres de bière sur 10. Dont 3 d'affilée et puis après 2 d'affilée. Voilà. Donc on a bien rigolé. Peut-être tu pourras mettre l'extrait du... Mais j'ai mis. Et Sam a reçu son jambon aussi comme cadeau, il était très content, il s'est pris un fou rire. On a bien rigolé, on a passé la soirée après, on a fait un jeu musical. Il fallait soit mimer, soit fredonner, soit chanter des chansons et tout ça. C'était super agréable. Donc ça c'est un jeu que vous pouvez facilement refaire chez vous. Je vous expliquerai mieux demain, si j'oublie pas, comme ça vous pouvez vous en servir à Nouvel An si jamais.
ça peut vous intéresser, mais vous pouvez le faire directement avec des petits papiers en fait, plutôt que d'acheter le jeu. Ça limite le jeu, ça limite les questions et tout ça, tandis que l'autre, ben finalement, vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez, avec toutes des chansons différentes et tout ça. Tu peux m'en faire une? Surtout que là, c'était plus un truc pour les vieux, parce que moi, à la fin, je suis venu écouter, j'ai rien compris. Bon, après, il y avait pour tout le monde. Bah, plus pour les vieux, hein. Les vieux. Ça a parlé de groupes de rock et tout, moi, je sais pas. Bah, ça a parlé d'un peu de tout. À un moment, il fallait chacun à notre tour chanter des chansons. De Céline Dion, par exemple, Georgia Goldman, ou alors avec des titres ou des paroles qui comprenaient des aliments ou des véhicules, des choses comme ça. Donc, alors, ce qui est bien, c'est qu'une fois que j'ai été me coucher à 4h30 au matin, j'ai retrouvé plein de chansons que j'aurais pu donner dans le jeu. Et que je n'ai pas pensé au moment du jeu. Hier, on est rentré vers 3h. Moi, j'ai été me coucher à 4h30 parce que chérie a lancé le bêtisier de Noël sur C8. Pour s'endormir, il s'est endormi au bout de 10 minutes, sauf que moi je suis restée bloquée dessus pendant plus d'une heure. Donc j'ai été me coucher à 4h30, je me suis réveillée à 7h30. Et j'ai réussi à aller me recoucher tout de suite jusqu'à 9h30. J'ai fait ma sieste normale l'après-midi. Attends. Et là je viens de redormir une heure dans le canapé parce que j'en pouvais plus. Et puis je me suis dit, ce soir ça va finir beaucoup plus tard que hier, hein, parce que chez mon frère, on sait à quelle heure on arrive, on sait jamais à quelle heure on repart. À tout moment, on revient que dans 2 jours. Bah, pas dans 2 jours, faut quand même venir pour les chiens, mais en principe, on rentre que le lendemain matin, au petit matin. Donc voilà. Je vous montrerai au moins la déco, parce que chez eux, à part les gosses, il n'y a personne qui veut être sur les, qui accepte d'être sur les vlogs. Donc je vous montrerai. Bah, peut-être mes neveux et nièces et la déco de ma belle-sœur, parce que la déco de ma belle-sœur c'est quelque chose. Ah d'ailleurs, j'ai oublié mon paix quotidien. Ah non, il veut pas venir, ça va, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Eux ils ont tout le temps de la chance, ils ont pas les odeurs. Ouais bah hier hein. Je vous montrerai aussi demain mes cadeaux. Alors j'ai oublié mes cadeaux de ma belle-sœur et de mon beau-frère. J'ai oublié le sac là-bas, j'ai eu une boîte de 3 masques Sensei avec un bandeau pour les cheveux et 3 paires de chaussettes de Noël. Vous les verrez dans le prochain vlog puisque ma belle-sœur va me les ramener quand elle ramènera le cadeau de chéri parce que lui, elle ne l'avait pas encore reçu. J'ai eu mon coussin. Ah ben, Sam, tu peux me montrer, moi donner mon coussin. Je vais montrer la gourde. Et je peux vous le mettre. Bah la gourde, je l'avais montré en haut. Oui, mon propos. Donc c'est ce coussin-là. Ça vient d'IKEA, donc j'ai hâte de le tester. Je voulais l'installer pour ce soir, mais là je pense que j'ai trop la flemme de remonter. Et j'ai eu mon étagère, mais ça vous verrez dans le prochain vlog, puisque je vais la monter demain. Enfin, chérie va me la monter demain. Il faut que j'enlève ma déco de Noël pour que chérie puisse le monter demain. Parce que papa est pas sûr de pouvoir le monter demain. Et comme ça, chérie me montre mon étagère qui ira donc à la place du sapin. Mon cadeau, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai obligé ma belle-sœur, donc vous verrez la prochaine fois. Et aujourd'hui, je reçois mon frère. Et voilà, ça aura fait le tour. Je suis des filles, ça sera que le 6, donc ça aura fait le tour de mes cadeaux. Sam a eu de la part de son parrain un casque de PS5. Et de ses grands-parents, une manette de PS5. Nous, on lui a offert les gourtes. Pérus que je vous avais montré dans un hall Temu. C'était bien marrant. Et puis il a eu son jambon aussi de la part de sa tante. Qui partait de base pour une blague. Hein. Et un parfum. Et deux parfums. Ouais. Voilà. Et vraiment le jambon. Le jambon il était mort de rire. Hein. Il s'est pris un fou rire. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends pour vous montrer la déco de ma belle-sœur. Peut-être mes nièces, on verra s'ils acceptent, s'ils veulent être sur le truc. Le petit était pas chaud hier, donc il vous a pas parlé rien. Mais je lui ai filmé quand il dormait et quand il chantait. et voilà, c'était tout mignon. Bref, allez, je vous reprends tout à l'heure et puis on papotera un peu plus demain avant que je coupe le vlog sur le planning et tout ça. Bah, de toute façon, le planning va être vite fait. Je peux peut-être vous déjà vous le donner d'ailleurs. Mais ça va être très vite fait pour la semaine. Voilà, vous avez votre paix quotidien. Qui vient. Ah, vous avez votre paix. Qu'est-ce que vous êtes chanceux. Donc là, on est là. Ouais, bah, il n'y a que samedi que vous aurez le crash test du calendrier Pélouise. Donc là, ça sera avec Manon. Et le vlog, je vous le mets donc le lundi 1er janvier à 17h30. Comme ça, je peux inclure le 31 en même temps, puisque là, ça sera ici. Je pourrais vous montrer ma déco, le repas et tout ça. Le mini-jeu aussi.
Donc je vous le mets le lundi premier. Il est en train de remettre sa baguette et il allait passer. Allez, à tantôt. Rapidité, il est pas nul. Normalement, les Moldaves ils crachent dans les meubles. Ça s'accroche. Ouais, je crache. Alors, attention tout le monde. Prêt, 3. Moi, je fais des squats. 2, 1, top. Vas-y, Victor. À mon top, c'est quand vous voulez. C'est pour le top, c'est pas forcément que vous êtes obligé de taper. À mon top, vous pouvez y aller. D'accord. Tu peux être gêné par elle. Est-ce que vous êtes prêts, les filles? Ouais. Donc pour la première, à mon top, vous pourrez y aller ensemble, hein, d'accord? Ouais. Prêt, top. Oh là. Ça c'est marrant. C'est le caméraman là, qu'est-ce que tu fous là? Tu dis c'est un problème à toi. Hein. C'est pas lui qui est dans le panier du chien. Quoi? Là ça va être compliqué. Hein. Il y a un moteur dans la verse, c'est sûr. Il y a un moteur. Du coup, écoute, ça se joue, d'accord? C'est moi qui ai... Bah je me mets plus loin du coup. T'es prêt, Steph? Dans ta gueule. Mais ouais. Allez, il est 17h. C'est ça? Oui, c'est ça. Attendez, j'allume quand même un peu, même si vous allez voir ma tête de déterré. Je me suis levée à 3h15. Voilà. On est rentré à 7h du matin. J'ai été me coucher, j'ai eu du mal à m'endormir. Ensuite, Ryan m'a réveillée à 9h pour manger, bien évidemment. Donc, jusqu'à 9h30, de 9h à 9h30, j'étais occupée avec les chiens. Et après, j'ai été me coucher jusqu'à 3h d'après-midi. Voilà, j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien et on a passé une super soirée, donc vous avez pu voir quelques petits extraits. Et après les petits jeux, on a joué au loup-garou, donc je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais c'était vraiment génial, on a passé une très bonne soirée, on a bien mangé aussi. Donc voilà,
Comme vous pouvez le voir, j'ai installé mon étagère. J'ai plus qu'à mettre les décos. On a déjà enlevé la déco de Noël. Enfin, il me reste une partie là, mais il faut d'abord que je vide, que je remplisse mon étagère pour vider ma caisse. Donc moi, je vais faire ça et je vous montrerai la déco. Je vais la mettre ce soir ou demain. La déco de Nouvel An, je vous montrerai dans le prochain vlog spécial Nouvel An, quoi. Que je vous rappelle, vous aurez lundi à 17h30, donc lundi 1er. Donc là, après le vlog, vous n'avez plus que le crash test du calendrier Pélouise samedi à 17h30 comme d'habitude, que je vais filmer demain parce que sinon j'aurai pas le temps. Et voilà. Donc voilà mon cadeau de la part de mes beaux-parents et de la part de mon frère, j'ai eu un micro USB. Donc voilà, il faudra que je le teste, mais pour l'instant il est encore dans la voiture. Voilà. Donc on va pouvoir clôturer ce vlog ici, c'est le dernier vlog mus, hein. Après on rattaque les vlogs de 2024. Je crois que je n'avais rien d'autre à vous dire pour clôturer ce vlog. Je vous ai déjà donné le planning, de toute façon il n'y a qu'une vidéo qui sort samedi et le vlog lundi 1er. Comme ça vous aurez, je vais pouvoir vous inclure le 31 avec, je ferai le montage tôt le 1er et je pourrai vous le uploader pour 17h30. Et voilà, voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël. Des bons préparatifs pour le réveillon de Nouvel An. Un bon réveillon aussi. Et déjà en avance, une bonne année. Plein de belles choses. Et voilà. Donc moi, sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire. Peso, peso.